Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une super journée. Et aujourd'hui, on va regarder ensemble des vidéos que t'as probablement jamais vues. Bon, ok, qu'est-ce qu'elle va préparer ? Ouais, c'est quoi ces cernes là ? Eh mais c'est un coq, c'était pas des cernes en fait ! Merveilleux ! C'est merveilleux, c'est la seule façon dont j'accepterai aujourd'hui de manger de la soupe. Juste parfait. Quelle œuvre d'art. Mais non, mais il y a zéro chance que ça marche, mais laisse tomber, il y a un mec qui vient vers toi et qui te fout un coup de poing dans la gueule, mais c'est mort, hein. N'importe quoi. N'importe quoi. Mais non, mais il faudrait être un ninja pour réussir à faire ça. Non, mais les mecs, y a personne qui vous croit, hein. Faut arrêter de nous prendre pour des cons, hein. Ok, alors ça, c'était complètement inattendu. Même le mec, il était totalement choqué. Regarde là-bas. Les photoshoots des nouveaux-nés, mais je vous jure que c'est ça, genre les... C'est exactement ça, je te jure. Le pire, c'est quand ils font les shootings, mais genre, le bébé, il a même pas un mois. Du coup, il ressemble un petit peu à un extraterrestre. Genre, tu vois, E.T. Ouais, c'est à peu près ça. Des façons de s'entraîner inattendues. Ah ouais, la mise en situation et tout. Faudrait essayer de deviner le sport. Alors ça, aucune idée. J'aurais jamais deviné que c'était pour du ski, je vous jure. Ok, mais non. Mais c'est trop intéressant. Ok, du ski. Je suis sûre que c'est du ski. Oui, le ski jumping. Trop classe. Formule 1, ça c'est de la Formule 1, ça. Ça, j'en suis sûre que c'est de la Formule 1. Pas si bête que ça, hein. Du plongeon. Non, pas du tout. Ouais, du canoë. Ça, c'était facile, parce que ça faisait vraiment penser au rame. C'est quoi cette tête? En mode, tu veux qu'on se tape? Tu veux qu'on se tape, hein? Hein? Wow! 6 foot tusks can be a pain. In the backside. Wow! Mais c'est quoi cette violence là? Mais c'est un malade l'éléphant! Et il est dévoré par une passion un brin étrange. Débrancher toutes les voitures électriques. Ah oui, c'est vrai que c'est étrange cette passion. What? Bien, ces voitures ne sont absolument pas écologiques. Ces voitures électriques doivent toujours rester branchées, même lorsque les batteries sont pleines, parce que autrement elles se vident et à ce moment-là, la voiture ne peut plus démarrer. Aucune idée si le mec raconte des conneries ou si c'est la vérité. J'en ai absolument aucune idée, je ne m'y connais pas du tout en voiture électrique. Mais mon gars, ça va pas te débrancher comme ça les bagnoles des gens. Ok, bah t'as préparé ta bagnole pour partir en vacances et puis le matin, bah tu prends tous tes bagages et tu te retrouves devant une voiture. Déchargée parce que ce connard l'a débranché. C'est génial. Si quelqu'un ne te l'a pas dit aujourd'hui, quoi? C'est trop mignon, la langue en forme de cœur. Moi, quand je me réveille le matin. Eh oui, chaque matin, c'est une nouvelle surprise. Oh non! Un petit Bambi, c'est trop mignon. Wow, c'est trop classe, comment c'est filmé. Oh my god, mais c'est trop satisfaisant. Aucune idée de ce qu'il est en train de préparer, mais c'est trop classe, comment c'est filmé. Enfin, il ou elle est en train de filmer, aucune idée. Je crois que c'est une fille, en fait. C'est trop beau, mais les séquences sont trop magnifiques. Oh my god, en plus, ça a l'air trop délicieux. Et voilà, maintenant, j'ai trop la dalle. J'ai trop trop faim. Ouais, c'était une fille apparemment. 3, 2, 1. Vive la France! Vive la France! Ok. Le cri complètement improbable, mais d'accord les gars, vive la France! J'espère juste. Mais ça fait tellement flipper là, les mecs, là, comme ça, là, avec les combis.
Oh my god. Laisse un commentaire et dis-moi si toi t'oserais faire ça. Oh mon dieu, en plus ça a l'air d'aller mais tellement vite. Jesus. En plus passer comme ça entre les arbres. Oh mon dieu, ça fait flipper. Mais n'empêche, le paysage est juste mais magnifique quoi. Trop trop classe. Vive la France ! Vive la France ! Oh non ! Mais non ! Oh, il est trop mignon. Oh my god ! Oh, il fait un petit bain. Mais non, mais je veux passer la vidéo à faire. Oh, oh. Trop adorable. Mais non, c'est trop trop mignon. En plus, il aide aux tâches ménagères et au bricolage, c'est génial. Non, c'est trop mignon. Mais voilà, moi aussi je veux un raton laveur. Ah non, c'est trop adorable. Et je vais finir par chialer les gars, c'est trop mignon. Comment il a mis sa petite papatte comme ça. Non. Punaise, moi j'en peux plus là, entre la biche, le raton laveur, le renard là, mais c'est quoi cette animalerie de rêve? Je rigole. Bon bah qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qui se passe? Et le mec est hyper content. Voilà, le camionneur lui a littéralement refait sa journée. Trop mignon, la petite danse et tout, le twerk à la fin. If leprechauns aren't real, then explain this. C'est quoi cette tête? Mais non, mais fallait pas jeter le chapeau, ça t'allait super bien. On est d'accord, c'est un cheval. Genre, ils ont littéralement un cheval dans leur salon. Non mais c'est quoi ces animaux de compagnie là, les gens? Genre, oui, vous êtes pas les seuls à avoir des chevaux, mais un cheval dans la maison. Oh non, regardez-moi cette petite langue avec ce gros joues là, trop mignonne. Moi? Oui, toi, quoi? Ouais, moi aussi, je suis pareil. Bon, bah, je vais mettre à pleurer. J'ai besoin de me donner une liasse de billets. Je vais pas arrêter. Wow! Maintenant. Oh, j'espère pouvoir mettre la musique. Bon, ok, bah, du coup, si je peux pas mettre la musique, je vais vous la chanter, comme ça vous saurez de quoi il s'agit. Chippi, chippi, chapa, chapa, doubi, doubi, daba, daba, doubi, doubi. Mon chien va détruire son chien en une seconde. Mais elle a quoi comme chien? Ah ouais, c'est clair. Mais qu'est-ce qu'il est féroce. Watch this. Watch this. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Baggy. Boom. Ah oui, c'était inattendu. Voilà. Je ne saurais quoi dire. Mais c'est quoi cette meuf là? Mais c'est quoi ce contenu? Mais attends. 2 hours later. Mais attendez. Mais non, mais regardez, genre. Watch this. You ready? Regardez, soyez attentifs. Bang. Voilà, ça c'est le contenu de la meuf. Mais moi, mais qu'est-ce que je me casse? Mais moi, il faut que je fasse une reconversion là, les gars. La meuf se fait v'là de la thune, juste en étant en bikini. Moi, je suis là en train de faire le singe, comme une malade, tous les jours. Voilà, à être transpirée, à gueuler, à ne plus avoir de voix, à me casser la tête, à faire des trucs, à faire le zouave, comme disait ma maîtresse de CP. Le zouave, je suis sûre que ça, tu l'avais pas entendu depuis longtemps. Bon, bah écoutez, à partir de maintenant, voilà, moi aussi, hein, je vais me mettre au React en bikini. Ah bah, il faut ce qu'il faut, hein, les gars. Je suis désolée, faut pas critiquer, c'est la société qui demande, hein. Moi, j'y suis pour rien, hein. T'as vraiment des meufs qui sont, mais hyper intelligentes. Voilà. Donc, ceux qui critiquent, vous avez juste le seum, quoi, j'ai envie de vous dire. Donc, moi, aux gens qui sont des haters, juste une chose à leur dire, hein. Pouet pouet camembert, hein. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre un like. Moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao !